Bonsoir. Bon, ce message va s'adresser à quelqu'un qui est déjà avancé dans le spirituel. Ok? Tu as déjà fait beaucoup. Tu as traversé beaucoup de choses. Tu t'es guéri toi-même. Tu as aussi beaucoup souffert financièrement. Et quand tu souffrais, tu ne pensais pas que les dons que tu portes peuvent t'amener devant des rois. Et là, depuis un certain temps, tu as la conviction. Tu reçois tes messages de plus en plus clairement. Au départ, tu te demandais, mais est-ce que je peux lire moi-même mon énergie? Est-ce que je peux recevoir moi-même mes messages? Donc, je suis là pour te dire oui. Tu vas recevoir tes propres messages. Je vois même quelqu'un qui va. On va te montrer comment te guérir et tu vas te guérir toi-même. Et tu vas entrer dans une période. Tu es même déjà dans cette phase où tout le travail spirituel que tu as fait depuis des années, c'est un peu comme si tu montais une colline. Et maintenant, tu es au sommet de la colline. Et là, tu sens que tu es en train de, que tu vas respirer. Donc, on me dit de te dire que la pauvreté est finie. Tu vois, quand tu, un mois ça va, 5 mois ça ne va pas. La pauvreté là est vraiment finie. Parce que depuis quelque temps, tu sens ça dans ton esprit. Mais tu as peur de déclarer parce que avant tu as dit, mais ça ne s'est pas passé. Et les gens se sont moqués de toi. Tu as peut-être déclaré que voilà, je vais commencer tel business. Tu as fait 50 business, on connaît déjà. Ce qui fait que maintenant, là, tu as même peur de dire. Tu as peur de dire que voilà ce que je vais faire à nouveau. Donc, tu es dans une phase de maturité spirituelle qui fait que tu équivaux au maître spirituel de ce monde. Mais tu t'es trop sous-estimé. C'est pour ça que je dois te parler. C'est pour ça que je devais te donner ce message. Parce que j'ai l'impression que tes anges te communiquent certains messages, mais tu doutes tellement de toi. Et ça devient fatigant parce que c'est un peu comme si tu écoutais leur message et tu avançais, tu pouvais commencer à courir à la vitesse qu'ils attendent de toi. Mais tout le temps, ils doivent toujours revenir encore te prendre dans l'épée à bas. Et ça fatigue. C'est ça qui te fatigue. Donc, ton premier commandement, c'est de te lever. Le deuxième, c'est d'avancer. Ta parole est devenue puissante. Même ce que tu vois dans ton esprit, même sans dire, ça se réalise. Et ton énergie est le genre que l'argent va commencer à venir à toi. L'argent, la stabilité maritale,
les enfants, toutes les choses qui te manquaient avant et que tu n'arrivais pas à saisir. Parfois, je vois quelqu'un que souvent tu rêvais comme ça. Dans le rêve, tu te vois, tu es comblée, tu es heureuse, tu es riche, tu es mariée. Mais dès que tu te réveilles, ta vie est vide. Tout ce que tu as rêvé là et qu'on t'a dit avant, seulement dans le rêve, tu es en train d'entrer dans une phase où ça va se réaliser. Une à une, ces choses vont se réaliser. Tu t'es guéri du célibat. Tu t'es guéri de la pauvreté. Tu t'es guéri de la solitude. Et pour couronner le tout, tu commences à guérir d'autres personnes. Je vois quelqu'un qui a des capacités guérisseuses. On appelle, dans certaines langues, on appelle ça des chamans. Ou encore des healers. Ou encore des guérisseurs. Et quand je parle, on a des mains chaudes. Parfois, tu te vois dans le rêve, quelqu'un tombe, il meurt. Ou bien il tombe d'un étage, il meurt. Tu viens, tu pries sur lui. Tu parles, il guérit. Tu es aussi quelqu'un que tu es délivreur. Genre, tu te vois souvent dans les films en train de délivrer les gens, en train d'ouvrir les cages des gens. C'est ça ta mission de vie, ton appel. Il y a aussi beaucoup de jaloux. Mais maintenant, on te dit que les jaloux là ne peuvent plus te toucher. Tu es le genre de personne que d'une parole, tu fais taire tes jaloux. D'une parole, tu les mets à terre. Comme l'autre a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu as cet art oratoire-là. Il suffit juste que tu dises quelque chose. L'esprit va prendre, il va les faire. Et ces jaloux-là, ils ont voulu arrêter ce que tu portes. Ils ont voulu stopper ton élan. Mais maintenant, tu as déjà développé tellement de force. Tu as développé de la force. Je vois quelqu'un que tu es devenue forte. Tu es devenue confiante. Et cette confiance te permet d'écraser toutes ces personnes. Tu es devenue forte. Les choses qui te mettaient à terre avant. Maintenant, tu t'automotives. Même si tu es dans une situation où tu es censé être fatigué, tu as une force là qui vient. Dans le passage de Josué chapitre 1 là, où il dit prends courage. Toi, tu prends courage. Tu connais maintenant ce que ça veut dire de prendre courage. Tu n'attends plus qu'on vienne te soulever de là où tu es. Je te vois, tu tombes, tu te lèves seul, tu essuies ton habit. Tu essuies la saleté, tu avances. Tu tombes, tu te relèves, tu essuies la saleté. Tu avances. Pardon. Vous venez pleurer, c'est vous bloquer. Vous ne me connaissez pas. Hein. Tu as 2 heures sur les réseaux sociaux, tu demandes à changer. Bonjour. Tu es devenue tellement forte que les choses qui te faisaient tomber avant. Donc avant, si tu prenais 1 mois pour te remettre quelque chose, maintenant là, en une heure de temps, tu es debout. Ton esprit est devenu comme un géant. Et ta capacité financière aussi. Donc comment t'es-tu dit, je suis un géant?
Pas besoin de mettre au féminin. Maintenant, tu vas voir aussi que ton esprit, qui était, ton esprit qui pensait beaucoup dans la pauvreté avant. Maintenant, tu te surprends en train de te voir dans les jets privés. Tu te surprends en train de te voir dans les voitures luxueuses. Donc, tu n'as plus de difficulté à voir la prospérité. Alors qu'à un moment, c'était difficile pour toi. Dès qu'on te parle de prospérité, on sera tout à fait seulement, ah, je n'ai pas l'argent. Donc, ça, c'est fini. Tu te vois facilement en train d'avoir l'argent. Et l'argent, on me dit que l'argent qui va venir à toi, c'est pas quelque chose que quelqu'un peut bloquer. C'est pas quelque chose que quelqu'un peut bloquer. C'est quelque chose qui était écrit dans les étoiles. Donc le tout, c'est là, c'est comme si tu as rempli toutes les cases. Tu vois, quand tu joues, taper la machine là, non. Quand tu joues, quand ça s'aligne, ça fait ting, 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 ting. Du moment où ça s'est déjà aligné, toutes les cases sont alignées, c'est la même chose. Rien ne peut empêcher à cette machine de cracher ton argent. C'est une analogie spirituelle. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Donc ta machine est déjà, toutes les cases sont remplies pour ta machine. Tu as les nouvelles collaborations qui vont se pointer. Tu vas ouvrir peut-être un nouveau magasin, un nouveau business. Tu vas, dans les quelques jours qui suivent, tu vas avoir des nouvelles opportunités de business. Voilà. Vous êtes entre vous, je vois aussi ta façon de travailler. Tu es maintenant très concentré dans ton travail. Tu as une éthique de travail très développée. Donc quand tu commences quelque chose, si tu ne finis pas, tu ne t'arrêtes pas. Donc on ne peut pas te distraire. On ne peut pas te détourner de quelque chose que tu as déterminé, que tu as fait. Tu es devenu déterminé. Ton esprit est en train de se fortifier. Tu es comme un missile que quand on a mis là, voilà. Tu es comme un missile que quand on a bloqué la trajectoire, on te lance. Même si la cible bouge, toi tu t'ajustes avec la cible. Tu ne te détournes pas de ce qu'on t'a dit de faire. Tu es en train de mûrir. On me dit que tu es en train d'augmenter ta capacité. Tu es en train d'augmenter ta capacité d'avoir l'argent. Donc ta capacité financière est en train d'augmenter. Parce que l'argent ne s'attire pas seulement une fois. Tu dois constamment attirer l'argent. Tu dois apprendre à garder l'argent. Tu dois apprendre à multiplier l'argent. Les sommes que parfois tu voyais avant. C'était pour toi comme un miracle. Hé, 5 millions. Aujourd'hui, tu parles de 100 millions comme si c'était 200 000. Ton esprit a grandi. C'est comme si tu es rentré dans une maison. Avant, tu vivais dans une maison de 20 000. Maintenant, tu vis dans une maison de 500 millions. Et certains d'entre vous, vos dons attirent beaucoup, vous avez beaucoup d'anges chez vous. Ils sont là, ils vous guident, ils vous protègent.
Et votre entrée, partout où vous allez, votre entrée va faire du bruit. Partout. Et ce n'est même pas comme si on va vous ignorer. Genre, les gens qui vont vous voir auront besoin de vous. Ils vont venir parce que vous êtes nécessaire. Vous êtes devenu indispensable. Il y a aussi le fait que vous n'avez plus peur des ennemis. Je ne répondrai pas à ta question ce soir, Marco. Vous n'aurez plus peur de vos ennemis. Vous avez l'impression que vous allez foncer sur vos ennemis. Tu crois que quelqu'un ne t'aime pas, tu passes mal le voir. Je vois aussi quelqu'un que tu vas. La vie de luxe. Donc tu peux te retrouver facilement en train d'acheter une maison, une nouvelle maison, ou bien de déménager dans un quartier luxueux. Et peut-être avant tu étais désordonné, genre tu ne pouvais pas ranger ta maison comme tu pouvais, comme tu voulais. Mais cette nouvelle vie de luxe va permettre que tu vas commencer à te comporter comme les riches. Tu vas devenir très, très rangé, très assidu. Des choses que tu n'arrivais pas à faire depuis 5 ans, tu vas commencer à les faire sans effort. Tu vois quelqu'un qui va aussi prendre une ménagère. Genre, tu es dans un pays où on n'a pas besoin de ménagère. Personne ne prend une ménagère. Mais toi, tu vas prendre la ménagère. Je vous vois vous élever. Pour vous élever. Comme un aigle. Je vois aussi quelqu'un, tu vas faire beaucoup de dons. Ton pouvoir de monde va augmenter. Les sommes que tu ne pensais pas que tu pouvais donner par mois, tu vas commencer à donner. Avant, quand tu disais 20 000, je disais, ah, tu as trouvé en te donner même 2 millions. Avec joie. Et quand tu vas donner comme ça, là, tu vas donner les 2 millions. 10 millions vont entrer. Et aussi, tu vois quelqu'un, ton compte bancaire va prendre 2 ou 3 zéros. Oui. Et tu vas aussi faire le nettoyage dans tes contacts. Les personnes qui te prenaient pour une pauvre fille avant, ils vont s'adapter très très difficilement à ton succès. Donc je vois au moins tu entends leur expliquer, mais ils te simplifient toujours. Donc tu dois quitter à côté de ces personnes. C'est quelqu'un qui t'a endormi. On avait endormi tes projets. On a mis ça derrière, loin. Donc, c'est un peu comme si tu repartais, ouvrir les vieux cartons. Les anciens projets, tu les reprends. Tu les réinstalles. Et cette fois, tu n'as plus peur d'engagement financier. Tu n'as plus peur. Parce qu'avant, quand tu avais les projets, là, tu voyais l'argent, tu disais, ah. Je n'ai pas l'argent. Le tout, c'est là. Tu mets seulement ta sur la table. Allez, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Les choses que tu prenais avant 6 ans pour faire, en 6 jours, tu mets ça sur pied. Mets aussi beaucoup de lumière chez toi.
dois acheter des bougies, tu mets chez toi. Brûle la bougie pendant 7 jours à la maison. Ça va te mettre la lumière. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'arrêter ton étoile. Essayer de ralentir ton étoile. Mais ce qui est en train d'arriver, c'est quelque chose qui était inévitable. Donc, quand tu vas commencer à monter, il ne faut pas avoir peur que tu vas tomber. Parce que personne ne t'a. Comme tu es en train de. En fait, je vois quelqu'un que tu ne peux pas dire ce qui t'a fait monter. Parce que ça s'est passé seul. Donc maintenant, on me dit, t'es dit qu'il ne faut pas avoir peur quand tu vas monter. Parce que ce ne sont pas, c'est pas quelqu'un qui t'a fait monter. C'est l'univers qui t'a fait monter. Et aussi quelqu'un que tu vas recevoir des explications. On t'avait fait du mal, on t'a laissé dans le noir. Donc pendant des années, tu as porté ça. Et tu ne savais pas trop ce qui s'était passé réellement. Donc l'esprit me dit, te dit que tu auras droit à des explications pour fermer la page. Certains, vous êtes tellement créatifs. Vous allez commencer à créer des voies de se faire de l'argent. Des choses bêtes auxquelles personne n'avait pensé avant. Vous allez commencer à créer cela. Et aussi quelqu'un que tes capacités auditoires. Tu vas beaucoup écouter dans le monde de l'esprit. Tu restes comme s'ils te guident. Ils te disent quelque chose. Tu écoutes. Tu pars, tu fais, ça donne l'argent. Je vois vraiment quelqu'un que ce qui va te donner l'argent n'est même pas ce que les gens s'attendent. Mais tu as beaucoup, tu as tellement gagné confiance en ton intuition, en tes guides. Et aussi quelqu'un que tu vas chasser les démons. Toutes les mauvaises personnes qu'il y avait dans ta vie, tu vas les chasser. Et pour certaines personnes, tu vas même les chasser de vive voix. Pas que tu vas chasser par l'esprit, tu vas chasser de vive voix. Donc je vois quelqu'un que tu es en train de le pousser sur ta maison. Tu lui dis, ne passe plus jamais ici. Parce que tu as finalement la force pour te libérer de cette personne. Justine et tout, si tu me vois, je suis comme ça. Là. Je n'ai pas pu résister à la fessée. Il fallait que je vienne vous dire ça avant de dormir. Y a quelqu'une. J'ai parlé des couronnes la semaine passée. On me reparle encore des couronnes. On me dit de te dire que si tu n'as pas encore acheté ta couronne, parce que j'ai beaucoup de reines sont tombées sur ma page ces derniers temps-ci. Dans la journée, hier et aujourd'hui, j'ai eu deux personnes qui m'ont dit que elles étaient censées partir au Ghana pour se faire couronner. On me dit de vous dire de faire attention. Parce que quand ils m'ont dit ça, mon esprit n'a pas trop collé. Je n'ai pas parlé. Je n'avais pas rien dessus. Bon, maintenant, si tu écoutes ceci, on me dit, t'es dit que le voyage que tu voulais faire là n'est pas nécessaire. Que dans cette activation que dans laquelle tu es, beaucoup de ces choses-là se passent en auto. Auto. Donc toi-même. Il y a quelqu'un parmi. Donc tu es en train de. Tu avais prévu un voyage d'initiation comme ça, mais ton esprit te dit non, il ne faut pas que tu partes. Achille Talon, qu'est-ce que tu racontes? On dit que tu ne dois pas partir.
Parce que tu comptes trop sur ce que les gens te disent physiquement. Ça fait que tu n'écoutes pas les esprits qui te parlent. Et je vois quelqu'un qui n'écoute pas les esprits, mais la personne est en train de partir, voilà. C'est vraiment, tu es en train de partir à ta perdition. Donc, on m'a dit de faire attention. Quand tu suis leur direction, ils ont monté les. Je vois comment tu suis ceux qui te disent, ils ont monté les années sur la table pour toi. Je vois quelqu'un qui est suivi et fait bien, on met 10 ans sur son âge. Après, il fait bien, on augmente encore 10 ans sur son âge. Et tu es en train d'entrer dans une période de réjouissement. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup cherché. Tu as beaucoup. Tu étais en bataille. C'est comme si tu étais. Je vois quelqu'un que tu es en train de battre contre plusieurs soldats. Parce que tu ne veux pas qu'on t'emprisonne. Non, tu es dans une phase où je te vois, tu es seul. Tu te connectes à une grande antenne. Et tu es, je le vois peut-être le matin comme ça, tu t'assois. Tu te connectes. Et ça augmente ton pouvoir. Ça augmente ton pouvoir. Ça augmente ton pouvoir d'augmenter. Et comme de la même façon que je te connecte à cette antenne, l'antenne aussi se connecte à toi. Donc tu déverses dans l'antenne, l'antenne déverse dans toi. Et tu aussi, tu vas avoir l'harmonie autour de toi. Tu auras des serviteurs, des gens pour te servir, avec un cœur qui veut. En anglais, on dit willing heart. Voilà. On me dit aussi qu'on te donne les outils spirituels. Je vois quelqu'un que tu vas aller en bataille et on te donne les outils. Faut acheter le bâton de commandement, achète la couronne, achète l'huile. Oui, on te donne les outils. Les outils, achète les outils. Tu dois développer. Je vois des personnes qui sont avancées dans la spiritualité, qui sont en train de vouloir mal te guider. Et toi, il y a quelque chose en toi qui ne veut pas suivre ça. On me dit de te dire de choisir ton chemin. Si tu ne veux pas les suivre, si tu sens que tu ne dois pas les suivre, ne les suis pas. Ne les suis pas. Et il y a des gens qui, quand ils t'ont vu, voulaient te donner une promotion. Ils voulaient te donner beaucoup d'argent. Mais ils ont été distraits par ses ennemis. J'entends le chiffre 38 ans. 38 ans. Tu dois aussi être patiente, tu es très impatiente. Voilà. Tu es aussi dans un. Le monde spirituel est en train de devenir très réel pour toi. Donc tu commences un peu comme quand tu te lèves le matin, tu es dans le monde spirituel. À midi, tu es dans le monde spirituel. Le soir, tu es dans le monde spirituel. Voilà. Réveille-toi, on est en train de te réveiller. Prends courage.
Parce que ce que tu vas faire dans les prochains jours, c'est vraiment grandiose. Voilà. Je te rends dans les honneurs. On te dit merci. Ton travail est reconnu publiquement. Bonjour, bonjour. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses qu'on m'a montré là aussi. Donc, il y a quelqu'un aussi ici. Tu dois prendre ton travail spirituel très au sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que tu vas guérir avec ton don. Prends ça vraiment au sérieux. Discipline-toi fermement. Ne fais pas le truc que tu fais un jour, tu sautes 3 jours. Discipline-toi bien. Voilà. Je vois le chiffre 37. Et il y a des gens que tu pensais avoir perdus, mais ils ne sont pas perdus. Tu reviens. Reviens vers eux. Voilà. Ton empire est en train de s'élargir. Je suis en train de devenir puissante. Il y a même des reines dans le ciel qui te connaissent déjà. Oui. Donc, tu as des anges très doux. J'ai entendu la voix d'un de tes anges. Comme la Bible dit que les anges étaient là pour le servir. Tes anges vont beaucoup te servir. Tout ce que tu vas dire, penser, ils vont les faire. Donc il faut contrôler tes paroles les jours qui arrivent. Voilà. Bon. Je scelle cette lecture par le sang de Jésus. Je déclare que aucune distraction ne va vous empêcher de faire votre travail et de recevoir votre couronne. Amen. Amen. Voilà. Bon, bonne nuit.